Je suis née au milieu de perles, de broderies, de sifar. Je vois le mallemine chez ma mère, d'une mère couturière. Je faisais des études scientifiques après le bac. Je me suis dirigée vers l'école de styliste modéliste. C'est ma troisième édition sur l'officiel intégral caftan. Mes créations, je ne me laisse pas enfermer dans un seul style. Je travaille avec de différentes matières, un mélange de matières qui est par exemple le velours, le drap Clerici, le satin du sèche, les brocarts, et aussi en respectant bien sûr, je respecte toujours les coupes traditionnelles. Pour les grands caftans, voilà, j'ai une signature qui est toujours Tremelzmani, qui revisite de différentes façons. De la collection, j'ai travaillé des tenues qui sont très riches, aussi de la broderie, en respectant toujours les coupes traditionnelles et la référence qui est Tremelzmani. Aussi, j'ai rajouté des Tremel les mains qui ressort aussi Tremel dial le dos. Un mélange de l'mellem, la broderie qui est toujours la broderie à main, au fil d'or, fil d'argent, qui est aussi très riche, le perlage. J'ai fait aussi des petites tenues de la façon chemisier, qui sont aussi brodées. J'ai fait pour les ceintures, j'ai travaillé des ceintures pour les grandes tenues, des ceintures zmaniennes, bjieb. Très très fin. Et pour les petites tenues chemisiers, j'ai travaillé avec des petites ceintures sous forme de mjdoul.